Rapport de situation du capitaine Watanabe. Felicia Hardy, alias Black Cat, a disparu, présumée morte. Elle s'était alliée à Hammerhead, donne de la magia, pour faire chanter les chefs des autres familles. Hardy a trahi Hammerhead, qui a rapidement répliqué en faisant usage d'armes dérobées à sable, violemment. L'attaque a fait disparaître Hardy et les preuves qu'elle détenait. Maintenant, Hammerhead est en guerre. Ne pouvant plus compter sur le chantage, il a pris les armes et compte se débarrasser des autres donnes de la magia par la force. Pour cela, il continue de s'emparer des armes lourdes que Sable a laissées sur place en quittant la ville. Un maximum de matériel laissé par Sable a été saisi, mais ça ne suffira peut-être pas. La guerre des gangs a éclaté et New York est sa première victime. Mais la chance nous sourit peut-être. La magia a coincé Hammerhead dans l'ancien sanatorium d'Harlem. Si on arrive à distraire ces hommes, une petite unité devrait pouvoir s'infiltrer dans le bâtiment et le capturer vivant. C'est notre seule et unique chance. On n'a pas le droit de la rater. Ça chauffe en bas. Quand vous voulez. Ça marche. Je vais attirer leur attention. Vous êtes prêts ? Spidey, regardez ça. Cool. C'est pas très réglementaire, lieutenant. Désolé, capitaine. Un cadeau de mon fils. C'est pas tous les jours qu'on bosse avec un héros. Ça ira pour cette fois. Allez, retournez à votre poste. À vos ordres. C'est parti, on y va. Passage de l'art de la guerre sur les diversions ? Non ? Pas mal. La magia en pleine guerre civile ? Les hommes d'Hammerhead qui s'attaquent aux autres familles ? Et moi entre les deux ? Eh ben super ! J'arrive pas à croire qu'Hammerhead ait choisi d'installer son QG dans un sanatorium désaffecté. Pas que, si, en fait. Il doit juste détourner leur attention pendant que Yuri et son équipe s'invitent pour capturer Hammerhead. Ah, dégueu ! Tous les tonnes devraient avoir un nom aussi classe qu'Hammerhead. Genre, l'élan ? C'est hyper majestueux, l'élan ! Ou alors, le sanglier. C'est gros et moche, c'est pareil. Eh, je vous dis comme ça, viens, moi. De la magia, c'est un peu comme une soirée où on aime personne. Ça fait beaucoup de gars en moins. Quelle est la magia ici? On perd trop de monde. C'est ta propre tombe. Il est trop rapide dans les airs. La crise de l'emploi, ça touche pas la pègre apparemment. Yuri, tout va bien? Élimination confirmée? Affirmatif, on avance. En avant! On fonce! Ouais, et ton corps. Levez la tête! Vous n'arrêtez pas de vous chamailler! Je vais vous mettre d'accord, moi! Faites gaffe! Renfort de la magia plus renfort d'Hammerhead égale encore plus de dégâts en ville.
vous savez, je peux faire ça jusqu'à demain. Mais j'ai autre chose de prévu. Ah, ça suffit, les blagues sur les insectes. Madame Steak, vous lui avez piqué ses boucliers. Vous ne laissez pas attraper. J'ai envie de mourir, c'est ça. Vous avez vu ça? Je connais un gars qui a un bouclier vachement mieux. Va te péter les dents. Mal passé. Allez, il faut que je rattrape Yuri. Hey Yuri, tout va bien à l'extérieur. Votre équipe s'en sort ? Ah, ça capte mal. Elle doit être au sous-sol. Je dois la retrouver. Oh, super! À peine flippant. Ça fait pas du tout hanter. Bon. Yuri sait se défendre, mais il y a quelque chose qui cloche. Il faut que je la rattrape. Le fait qu'il n'y ait pas de fantômes dans les toilettes, ce serait trop d'émotions d'un coup. Je pense pas que tous les sanatoriums soient hantés par leurs anciens patients torturés, mais... celui-là... je suis sûr que si. Hey Yuri, vous me recevez? Bon, ça valait le coup d'essayer. Sale flic. Il croit pouvoir s'en prendre à la magia sur son territoire, et s'en tirer comme ça. J'aurais dû... On dirait la base des opérations d'Hammerhead. Mais sans Hammerhead... Il misait? Sur des quartiers? Pour savoir qui contrôlerait quoi une fois le reste de la magie hors course. Eh ben, bon courage. Les New-Yorkais sont pas du genre à se laisser faire. Les autres donnes de la magie. Très subtil. Don Cicero. Big C. Avocat véreux, qui mérite à peine le nom d'être humain. Don Fortunato, chef de la magia par défaut. Il paraît que son fils veut se retirer des affaires. Don Costa, il s'en est pris à plusieurs familles innocentes. Ce type devrait pourrir en prison. Don Macho, il paraît qu'il est très créatif. Yuri ! Oh, j'aime pas ce bruit. Faut que je la retrouve, et vite. Et d'où il
ils sortent. On s'en fout. Il me faut un raccourci. Et l'araignée est là aussi. On les butera tous, jusqu'au dernier. Tu sais ce qu'il y a là-dedans? Ouais, je devrais me débarrasser de ce type. J'aurais dû amener... On surveille la porte. On n'a pas le droit. Amuse-toi bien. Ah ouais? Lou, il a essayé tout à l'heure. Et alors? Hammerhead, il a failli lui arracher l'oreille et tout ce qu'il y avait autour. Wow. Il protège ce qu'il y a là-dedans. Ça pourrait me mener à Yuri. On va faire ça discrètement. Et maintenant, les autres. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Je te trouve bien calme, Russilo. T'es toujours là? Allez voir Russilo, les gars. Il y a un problème. J'y vais. Sortez l'insecticide! Spider-Man est là! On ne bavarde pas pendant l'infiltration! C'était le dernier. Bon, qu'est-ce qu'Hammerhead avait laissé de si précieux ici? Technologie sable? Mais le reste, qu'est-ce que c'est? Et comment Hammerhead a mis la main dessus? Ah, ça en fait du matériel de streaming. Je suis sûr que Screwball mettrait un pouce rouge direct. C'est nouveau, ça. Ça fait trop professionnel pour Hammerhead. Des écrans de vidéosurveillance. Yuri doit être sur l'un d'eux. Je dois y accéder. Ils ont détourné l'ancien système de sécurité. Allez, Yuri. Vous savez, je suis un gentleman. Si vous aviez frappé, je vous aurais ouvert la porte. Non. Mais il a fallu que vous fassiez vos fouines. C'est ça le problème avec les flics d'aujourd'hui. Aucun respect. Ça lâche! Gagnez votre respect. Vous frappiez, on ripostait.
pour vous rappeler votre place. Vous apprendre la peur. Mais maintenant... Vous croyez qu'on va tomber au premier coup de... Je vais vous rappeler la peur, moi. Lâche ton arme! Les mains derrière la tête! Et si je refuse? Capitaine! Désolé. Rends-toi! Allez! La voilà... La voilà, la peur. Allez, capitaine, allez-y! Yuri, vous êtes sûr que ça va? Ça va, j'ai juste besoin de souffler un peu. Laissez-moi faire. Je vais retrouver Hammerhead et découvrir ce qu'il mijote. Vous, reposez-vous. Ce serait... l'idéal. Mais il faut que j'appelle les familles de mes hommes. Que je leur explique ce qui s'est passé. Mais tenez-moi au courant. Faites-moi signe dès qu'il y a du nouveau. Promis. On l'arrêtera, Yuri. Non, on va pas l'arrêter. On va le clouer au mur. Hammerhead a dépassé les bornes cette fois. Je peux pas le laisser continuer comme ça. J'ai entendu des rumeurs comme quoi ces hommes fréquentent le bar sans nom. Ça me semble être un bon point de départ. C'est laisse-moi entrer, abruti. Trop drôle. Ouais, j'en suis assez fier. Le bar sans nom. Le point de chute des plus grands criminels de New York. Et la dernière fois, je suis entré là-dedans et le combat a duré presque tout le week-end. Mais cette fois, j'ai mon petit botte-pote. Il y a forcément quelqu'un là-dedans qui sait ce que prépare Hammerhead. Je devrais espionner quelques conversations pour en savoir plus. Armes, bagarres et pouvoirs interdits? Sérieux? Bah, c'est quand même beaucoup demandé à ce genre de clientèle. Mais c'est mes flingues, je veux pas les donner. Écoutez, je suis désolé, mais c'est dans le règlement. Je dois garder vos armes. Ouais, mais moi je veux pas. Je vous comprends bien. Malheureusement, je ne peux pas vous laisser entrer armé. Ouais, mais je veux pas. Thank you.
Ok, Spider-Bot. Désolé, monsieur de la magia chargé de la maintenance. Il y a trop de bruit de fond. Je devrais filtrer les phrases qui mentionnent magia ou Anorak. Maintenant, si j'isole leur conversation... Parfait. Écoutons ce que ces braves gens ont à raconter. On a bien fait de laisser tomber la magia. Hammerhead, c'est l'avenir de cette ville. Tu trouves pas ça un peu limite ? Quoi ? Ben, tu sais, ce qui se fait là, le projet Olympus, c'est pas naturel. Ah ouais ? Et ton tatouage tribal, c'est naturel ? C'est pas pareil. Ok, ouais. Je suis pas du genre à juger sans connaître, mais je doute qu'il y ait beaucoup de diplômés dans cette pièce. Tu vas aller boire une bière après ? Ah, je peux pas, j'ai baseball. Comment ça ? Tu vas voir un match. Je joue dans une équipe de baseball, en salle. Ah, on n'est pas mauvais, tu sais. Sérieux ? Sur la tête de ma mère, on gagne chaque fois. Ah, de toute façon, en pression, on n'a que de la bière que j'aime pas, alors. L'heure de jouer les espions. Un de ces types, c'est forcément ce qu'Hammerhead a prévu de faire. Quel groupe a l'air plus louche que les autres ? Je dois isoler la fréquence de leur voix. Je déteste ce rat depuis que la plague est là. Ils sont dingues. Tous les dons de la magia sont planqués au même endroit. Ces abrutis croient que c'est plus sûr comme ça. Le boss va tous les défoncer d'un coup. On devient la magia et fin de la guerre. Les débiles. Si Hammerhead élimine les dons, il contrôlera toute la magia. Il va falloir que je les retrouve avant. Quelqu'un ici doit bien savoir où ils sont. Il faut que j'isole leur fréquence vocale. Hé, l'exécution des dons de la magia, c'est où que ça se passe, tu sais toi ? Non, mais le nouveau dit qu'il le sait, lui. Soi-disant qu'Hammerhead lui aurait dit en personne. C'est quoi ce délire, les nouveaux qui savent avant nous ? Attends, je vais le secouer, moi. J'espère que le nouveau sait vraiment où se trouvent les dons. Allez, le nouveau, je compte sur toi. Qu'est-ce que j'aimerais pas ? Je dois isoler la fréquence de leur voix. Hey, comme ça, tu sais où ils se planquent, les dons, toi. Parle pas si fort, c'est... Non, je sais pas. Allez, le nouveau. Je le savais, c'était du vent. Mais je sais qu'il sait, par contre. Hein. Vinny et Gino, ils sont à l'arrière, ils veulent rien dire à personne. Oh, ça alors, Vinny et Gino savent tout. C'est pas nouveau, tu devrais apprendre à la fermer. Vinny et Gino ? Bon, je vais aller à l'arrière voir ce qu'ils savent. La porte à côté des flippers doit mener à l'arrière. J'ai plus qu'à l'ouvrir. Oh, quel taudis ! Dino ! Dino ? Non, Dino !
Pardon, chaud devant. Encore les plombs? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vinny et Gino. Gros projet. Cool. Une carte des sociétés d'Hammerhead. Allons voir ça de plus près. Entre la distillerie et le garage, ça fait des années qu'Hammerhead fait de la thune. Littéralement. J'ai mal au dos. Voilà. Après ça, je passerai un coup de fil à MJ. Ça lui sera utile pour son article sur les façades criminelles. Allez, on continue. Il faut que je trouve Vinny et Gino pour découvrir où sont les dons de la Magia. Je t'explique le truc. Vas-y. Moi de la bière ici, même si elle est dégueu. Elle est immonde. Après. Hé, hey, t'as entendu parler de ce truc-là, le projet Olympus? Ouais, ça me plaît pas trop. Je sais pas, faut voir. Faut voir, si tu veux mourir. Le projet Olympus? Pourquoi ça revient aussi souvent? Vinny et Gino, je suppose. Ils connaissent le prochain coup d'Hammerhead. Y'a des notes sur la table. Oh, c'est un lieu facile à défendre. C'est clair. De l'extérieur. Les donnes de la Magia sont loin de s'imaginer ce qu'Hammerhead leur réserve. Ils vont avoir l'emplacement des donnes doit se trouver dans ces notes. Il faut que j'éloigne les deux génies. Ouais. Je pourrais jouer avec la lumière. Non, mais c'est une blague. Ça enferme moi. Au suivant. Il y a un boîtier éclectique dans le coin. Quoi? Un boîtier électrique? Ouais, c'est ce que j'ai dit. T'as dit éclectique. Comme ma tante avec ses clébards de bourge. Je dois les distraire tous les deux. Une vieille radio, à l'ancienne. Bordel! Allez, c'est le moment! Je les adore, ces clefs. Ferme-la et rallume la lumière. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Les Don se cachent au cinéma Warback. Il faut que j'y arrive avant Hammerhead. Bien joué, Spider-Bot. Allez, va te cacher. Je reviendrai te chercher plus tard. Avec des bouteilles de désinfectant. Salut MJ, c'est Peter. Je sais, t'es enregistré dans mon répertoire, Peter. T'as pas besoin de dire que c'est toi. Ouais, pas faux. Écoute, je sais que tu bosses sur un article autour des opérations de la Magia et... j'ai trouvé un truc qui pourrait t'intéresser. Ah ouais? J'ai les adresses de 4 commerces d'Hammerhead. Et je te parie des vrais billets qu'ils n'ont rien de légal. T'as pas de billets à parier, mais c'est l'intention qui compte. Je me mets dessus tout de suite. Tu veux pas me laisser enquêter sur place? Je te tiendrai au courant. Ça m'aiderait beaucoup. J'ai plein de boulot. À plus tard. À toutes les unités, demande de renfort pour l'escorte d'un témoin clé contre Hammerhead. Répondez. Y'a quelqu'un d'assez courageux pour témoigner contre Hammerhead? Je ferais mieux de garder un œil dessus. J'avais pas besoin des renforts. Bien sûr que si. Quoi, on peut pas escorter un témoin sur quelques blocs? Attends, t'as vu ce qui se passe en ce moment? Je fais confiance à personne. Ils partent. Je vais les suivre, au cas où quelqu'un débarquerait sans invitation. Jusqu'ici, c'est calme. Peut-être même trop calme. Oh, quand je le dis comme ça, ça fait hyper classe! On a de la compagnie! Les hommes d'Hammerhead. Toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Il faut que je protège les témoins. Je sais bien que vous aviez l'intention de ramener ce témoin, Hammerhead. Bon, bah, c'est bon. La priorité,
Plus mal se terminer, je ferais mieux d'ouvrir l'œil. Il pourrait rester des hommes d'Amored en ville. Il doit y avoir une taupe dans le service. Changement de plan. On emmène le témoin dans une autre plan. Spider-Man, comment ça se passe? Bien. Je suis sur la piste d'Eden. Et vous, ça va? Fatigué. J'ai fini d'appeler les familles des victimes. C'était difficile, mais nécessaire. Je m'occupe de tout, Yuri. Vous en faites pas. Ok, voilà l'Auerbach. C'est parti pour le Magia Sitting. Des Spider-Maneries. Et toi? Je voulais juste te remercier pour la première leçon. En fait, je pensais qu'on allait faire des trucs concrets, tu vois, mais maintenant j'ai tous ces trucs dans la tête. C'est mortel. Tu sais ce qui est cool? C'est quand personne te tire dessus. Et du coup, c'est quand la prochaine leçon? Oh, je sais pas, Miles. Il se passe beaucoup de... Écoute, j'ai fait tous mes devoirs en avance, j'ai fait le ménage et j'ai fait tout le reste. Et je te jure que je suis pas sorti me faire un seul panier depuis l'autre fois. Sérieux? Non mais, c'est génial, Miles. Tu fais du super boulot, je te fais signe dès que je suis dispo, ok? Ok, ouais, super. Merci, Peter. Et j'ai créé un monstre. Un monstre d'enthousiasme. On descend! MJ, je suis arrivé à l'établissement d'Harlem noté sur la carte du bar sans nom. Et ça ressemble à un carrossier. Ah oui, c'est sûr qu'il se passe jamais rien de louche chez un carrossier détenu par la Magia. Essaye de dénicher des infos sur les projets d'Amered. Je suis là pour ça. Je te fais signe dès que je trouve quelque chose. Je me baladerai plus facilement si j'éliminais ces types. Oh, arrête, c'est pas possible. Ça me l'est pas du genre à se mêler de ça. C'est fou comment on peut changer comme si on était cinéaste. Je te le fais pas dire. Il y a quelques mois, tu disais que t'étais de la Magia, tout le monde s'en fichait. Alors que maintenant, les civils font dans leur froc. Ouais, rien de tel qu'une bonne dose de peur pour imposer le respect. Si c'est qu'un début, le boss a prévu du livre. Du trail. Avec lui. Qui tenait cette baraque avant? Silvermane? Mathieu? Silvermane, ouais. Il ramenait les voitures ici pour les nettoyer après un casse. Hein? Pour les nettoyer? Genre, enlever les empreintes, retirer le sang et la cervelle de temps en temps, qu'elles soient prêtes à rouler. Pourquoi ne les faisait pas juste cramer? Bah, parce que ce serait pas très écolo, tiens. Consommer moins, consommer mieux. Ouais, mais enfin, on est la paix. C'est pas parce qu'on est dehors la loi qu'on respecte pas la planète Terre. Y'a quelqu'un? Étoile, on sait tous ce que ça veut dire. Il est à terre!
Par ici! C'est l'araignée! Spider-Man! Faut l'éliminer! Salut! Je peux vous aider? Je suis pas bon en mécanique, mais je demande qu'à apprendre! Là-haut! Me charge de ce clown! Cravache, c'est un garagiste. Il faut qu'on discute sérieusement de vos uniformes, les gars. Hammerhead. Des tickets resto, des week-ends dans un chalet. Salut Peter, j'avance sur l'article. Et toi alors, tu te fais des copains chez les carottiers? Tu sais, je m'attendais à du recel de pièces détachées, mais je suis tombé sur un gros dossier. Du trafic de technologie sable volée. Ok. Je te recontacte dans pas longtemps. Get it!
Le patron va nous écrabouiller la tête. Vous inquiétez pas. Derrière les barreaux, vous serez à l'abri de la grosse tête d'Adorel. Promis, juré. On peut rien faire contre ces toiles. Ça va être bien pire que ça. Non mais c'est quoi ce travail? Appelez-moi le directeur!
Il n'en reste plus. Voyons ce que renferme le bureau principal. Ça va être sympa de venir bosser ici le lundi. Ou n'importe quel jour d'ailleurs. Ok MJ, j'envoie le bout. Qu'est-ce que t'as pour moi? J'ai une preuve écrite qui fait le lien entre Hammerhead et cet endroit pour ton article. Et j'ai trouvé autre chose. Un fichier crypté. Ça avait l'air important alors, je l'ai copié. Je te transfère ça. Peter, c'est incroyable. Merci beaucoup, t'assures. Je vais voir ce que je peux tirer de ce document.